Oui, Galilée, par ses filles, l'a fait beaucoup pour moi, oui, pour moi, il pardonne. Et me remplit du Saint-Esprit, ok, j'aime cet homme, et chanter, ok, j'aime. Et Galilée, l'a fait beaucoup pour moi, oui, pour moi, il pardonne. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Alléluia. Que quelqu'un puisse crier un amen puissant. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Si tu es vivant, loue le Seigneur. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je dis que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. C'est encore la grâce du Seigneur d'être ici ce soir dans la maison de Dieu. Le programme dit le nom nouveau. Jina mupya mwenye atashinda. Je vais donner une pierre. Nitampatia jiwe avec le nom nouveau. Na jina ya mupya que personne ne connaît. Yenye alata mtu moja hajue. Si c'est moi celui qui le reçoit. Hakuna hata mtu moja mwenye anajua kutosha tu yule mwenye anapokea. Alors il dit, na hivi anasema, le nom nouveau, ile jina ya mupya, c'est une nouvelle action. Iko njo upako ya mupya. Amina. Et personne ne connaît. Na hakuna hata mtu moja anayua. Si celui qui reçoit cette nouvelle action. Kama haiko tu ule mwenye anapokea ile upako ya mupya. Toi seul, ouais, peke, tu sauras ce qui se passe avec toi. Wendo utayua nini nje kwa napitika na kwako. Un nom nouveau. Ile jina ya mupya avec une pierre blanche. Na ile jiwe ya mupya. Et c'est seulement celui qui le reçoit qui le connaît. Na ule tu mwenye anaipokea nje mwenye anajua. Et dit le nom nouveau, c'est une nouvelle option. Na anasema jina ya mupya iko nje upako ya mupya. Laisse que la nouvelle option vienne sur toi. Basi upako ya mupya kuwe juu yako. Amina. Et que ce soit toi et toi seul. Tu connais l'heure. Tu connais les jours. Tu connais le moment. Tu connais le temps. Quand Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Wakati Mungu alibadilisha jina ya Abraham kwa Abraham. Lot ne savait pas. Hata Lot hakukua na yua. Même Sarah ne savait pas. Ata Sarah, mwanamke wake hakuwa anajua. C'est Abraham qui a dit que ton nom maintenant c'est Sarah. Ni kutoka Abraham ndio alimwambia jina yako sasa inakuwa Sarah. Comment est-ce que je comment tu changes mon nom? Kwa namuna gani unabadilisha jina? C'est pas moi qui ai changé ton nom, c'est toi. Aiko mimi mwenyewe ndio nabadilisha jina yako ni mwana. Même ta femme ne saura pas. Hata mke wako hata jua. Même ton mari ne saura pas. Mwana wako hata jua. Même ton pasteur ne saura pas. C'est toi ce qui le saura. Et les hommes ne verront que la manifestation de la nouvelle option que tu as placée sur toi. Amina. Est-ce que vous comprenez cela maintenant? Les gens ne vont que voir l'impact du changement de nom. Ile faida ya ubadilisho ya jina. Bataona tu matokeo. Bataona matokeo ya ile ubadilisho ya jina. Mtu huyu anapata kitu mupya. Huyu mtu cet homme reçoit quelque chose de nouveau. Oh, cet homme a reçu quelque chose de nouveau. Mtu huyu anapokea kitu moja ya mupya. Il voit que l'impact. Banangalia tu tukio. Mais c'est toi ce qui connais. Mais we, tu we peke tu njo unayua wakati. À quel moment, gani, à quel jour, wakati quel gani, siku gani. Et cela est ton route. Na ile konjiano. Amen. Alors levons-nous pour louer le Seigneur. Et être prêt à chaque instant de notre vie pour recevoir la pierre blanche avec un nom nouveau. Na jina ya mupya. Alléluia. Oh, hallelujah. Oh, j'ai peur qui ne peut me failler. Je ne vous attends pas, j'ai peur.
Alléluia, j'ai peur. Alléluia. Si tu as un père qui n'a pas de faillite, alors poussez-moi le cri de joie. Encore une fois, poussez-moi le cri de victoire. Alléluia. Jésus est si bon. Et papa est si bon. Et j'ai paix. Alléluia, j'ai paix. Qui ne peut me failler. Qui ne peut me failler. Seigneur Jésus. Mungu Bwana wangu Yesu. Dieu de grâce. Mungu wa rehema. Dieu de paix. Mungu wa salama. Dieu d'amour. Mungu wa mapendo. Dieu l'immuable Seigneur. Mwenye usindwake Bwana. Dieu l'insondable Père. Unakuwa kabisa kuna namna. Dieu l'inexprimable Jehovah. Kuna namna kukueleza Yehova. Et ce soir. Na hii jioni. Toi le Dieu. Wewe Mungu. Des prophètes et des apôtres. Wa mitume na manabii. Dieu de Jacques Ben Bilombe. Mungu wa Jacques Ben Bilombe. Sois mon Dieu ce soir. Ukue Mungu wangu jioni hii. Sois le Dieu de Bethel ce soir. Ukue Mungu wa Betheli jioni hii. Tu es un Père. Tu es un Père. Unakuwa wewe kwa baba. Qui ne peut nous faillir. Hawezi kututupilia. Peu importe nos problèmes, Seigneur. Peu importe nos maladies. Peu importe nos péchés. Tu ne peux jamais nous faillir. Ainsi je viens devant toi, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos iniquités. Nous te supplions, Seigneur, de regarder cette congrégation sous le sang. Alors que nous voulons lire ta parole, écoutez, Seigneur. Circoncis nos lèvres. Circoncis nos oreilles. Circoncis nos âmes. Pour ta gloire, Seigneur. Bénis la soirée d'aujourd'hui. Tu es déjà là, Seigneur. Je te supplie. À chacun de nous qui est devenu faible, qui ne puisse pas rentrer faible comme il est entré. À celui qui est faible maintenant, qu'il soit fort au nom de Jésus-Christ. Et celui qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Celui qui a un problème, donnez-nous la solution au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Tu es digne. 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 Oh, roi, merci. Merci Seigneur. La santé buana. Bénis notre cher pasteur. Bariki mchungaji wetu Adama. Et bénis l'église. Na ubariki kanisa e baba. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno litakalosomwa. Tout pour ta gloire. Yote kwa ajili ya utukufu. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Na salimu nyote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Je bénis le nom du Seigneur. Na bariki jina la Bwana. Pour cette grâce. Kwa hii neema. Et cette opportunité de me tenir accordé vers vous. Je remercie encore une fois mon Père. Tena baba yangu mara que Dieu bénisse Papa. Mungu akubariki baba. Et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Abariki, Mungu abariki pia watumishi wote wa Mungu. Qui bénisse tous nos diacres. Abariki washemashi wetu wote. Et toute l'église au nom de Jésus-Christ. Kanisa lote katika jina la Yesu Kristo. Nous lisons directement la parole de Dieu. Tunasoma papo hapo neno la Mungu. Dans Jean chapitre 4. Ndani ya Yohani sura yake ya 4. Du verset 3 verset 7. Mustari yake ya 3 hadi ya 7. Jean chapitre 4.
Yohane sura ya 4. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Amen. Verset. Jean chapitre 4, verset 3 au verset 7. Akaacha Yudea, akakwenda zake tena katika Galilaya. Imempasa apite katikati ya Samaria. Basi akafika mji wa Samaria ulioitwa Sukari, karibu na shamba ambalo Yakobo alimpa mwana wake Yosefu. Na palikuwa kule kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, alikaa hivi kwa kisima. Ilikuwa karibu na saa sita asubuhi. Mwanamke wa Samaria anakuja kuteka maji. Yesu akamwambia, unipe maji ya kunywa. Que le Seigneur bénisse à ce vous. Bwana wabariki mnaweza kukaa. Je suis très reconnaissant d'être devant vous. Nako kabisa mwenye kushukuru kuwa mbele zenu. Pour partager une portion de la parole. Kuweza kuchangia sehemu ya neno. Amen. Amen. Nous venons de lire dans la parole de Dieu. Tumetoka kusoma ndani ya neno la Mungu. Dans Jean chapitre 4. Ndani ya Yohane sura ya 4. Vous connaissez l'histoire. Unajua hiyo hadithi. Jésus avec la femme samaritaine. Yesu na huyo mwanamke msamaria. Amen. Amen. Mais ce que le Seigneur m'a donné, lakini basi yenye Bwana amenipa, je l'ai intitulé, yenye nimepatia lengo, il fallait que Jésus passe, ilibidi kwamba Yesu apite, sur ton chemin, kunjia yako. Il fallait que Jésus passe, ilibidi Yesu apite, par chez toi, kwako. Il fallait que Jésus passe, ilibidi Yesu apite, par ta ville. Dani ya mji yako. Il fallait que Jésus passe. Ilibidi Yesu apite. Dans ta maison. Dani ya nyumba yako. Amen. Amen. La Bible dit. Biblia nasema. Il fallait que Jésus passe par. Ilibidi. Par la Samarie. Yesu apitie pale Samaria. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y avait une personne. Sababu kulikuwa ko mtu. Qui avait besoin d'une visitation. Mwenye alikuwa na lazima ya kutembelewa. Jésus ne passe pas au hasard chez quelqu'un. Yesu apitake kwa kubahatisha bure tu hivi kwa mtu. Jésus ne fait jamais les jeux d'hasard. Yesu afanyake kubahatisha. Il savait. Alikuwa akijua. En passant par la Samarie. Kwamba akipita Samaria. Il y avait quelqu'un là-bas. Kulikuwa mtu huko. Il y avait une semence d'Abraham. Kulikuwa hiyo mbegu ya Abraham. Il y avait une fille d'Abraham. Kulikuwa binti wa Abraham. Si Jésus passe par chez toi, kama Yesu akipitia kwako, il y a un but. Unakuwa sababu. Ni tete le but. Basi kama kungelikuwa Jésus sababu, ne pouvait pas passer par la Yesu Samarie. Yesu angeliweza kupitia huko Samaria. Et Jésus est parti se croiser avec cette femme. Na Yesu akaenda kukutana na huyo mwanamke. Une vie impie. Mwenye alikuwa na maisha machafu. Nous lisons le prophète. Tunasoma nabii. Na écoutez-le. Mweze kumusikiliza. Prêché le 13 mars. Iliobiriwa siku 13 mwezi ya 3. 1960. Makumi sita. Paragraphe 66. Kifungo kiake ya makumi sita na sita. Pui. Kisha. Quand il est allé chez les Samaritains. Wakati alipoenda kwa Samaria. Il lui fallait passer par là. Ilibidi apitie pale. Il lui fallait. Ilimubidi. Les disciples étaient allés acheter des vivres. Wamitume walienda kununua chakula. Il s'est assis sur une petite rampe akaka pale kukamuti hivi autour du puits kando ya un puits biblique là kisima ya watu wote une femme mwanamke une prostituée nous savons qu'elle était kahaba tunajua est venue akaja une prostituée est venue mkahaba akaja une femme d'une mauvaise vie mwanamke est venue mwanamke wa maisha machafu akaja une église kanisa d'une mauvaise vie ya maisha machafu ikaja sur son chemin. Kunjia yake. Elle a commencé à puiser de l'eau. Akaanza kuteka maji. Et Jésus l'a regardé. Na Yesu akamtazama. Et a dit. Na akasema. Femme. Mwanamke. Apporte-moi à boire. Unipe maji ya kunywa. C'est Jésus qui avait commencé. Yesu ndio alianza.
La femme n'avait même pas tiré à ta sorcière Jésus. Mais c'est Jésus qui avait tiré à ta sorcière la femme. Peut-être que ce soir tu n'as pas tiré à ta sorcière le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui tire son à ta sorcière. Tu avais négligé ton problème. Tu pensais que ce n'était pas grave. Mais le Seigneur tire son attention sur ton problème. Elle a dit, ce n'est pas des coutumes. Nous connaissons la ségrégation. Cette femme était samaritaine. Malgré que notre Jésus était notre Seigneur. Un Dieu qui était devant cette femme et ne s'est pas laissé faire. Nous laissons faire parfois. Mara. Nous les sœurs si watata, et même les frères atawa ndugu, un frère, un garçon t'arrête ndugu, dada, pour te parler et te demande un service tellement que tu as la gentillesse plus que Dieu zaidi kuliko Mungu, kuliko Mungu. Tu essaies de lui dire que notre église on refuse ça kumambia, notre Dieu n'aime pas ça Mungu wetu apendake hivi. Néanmoins lakini, tu cèdes unajiachilia. Cette femme oui, mwanamuke, elle était prostituée alikuwa mkahaba. Mais elle n'était pas influencée par lakini, Jésus mambo elle n'était pas influencée par l'homme Jésus hakuweza kuhangaikia huyo mtu Yesu. Mais elle avait prêté oreille lakini, pour écouter ce que l'homme voulait lui aweze dire. Basi huyo mtu anatafuta kumwambia nini. Nous connaissons la ségrégation. Unajua, tuko na hali ya vous les Juifs et nous, na nous sisi, n'avons pas de relation. Atuna ushirika, tuchangane. Nous n'avons pas de ségrégation. Nous n'avons pas de relation. Hatuna ushirika. Il n'est pas correct pour vous, un juif, haiko vema kwenu nyinyi wa Yahudi, de me demander à moi, une samaritaine, wewe Yahudi, kuniomba mimi Musamaria, pareille chose. Mambo kama haya. Dis à ces gens-là de l'extérieur, wambie wale watu wa inje, ce n'est pas bon. Haiko vema. Nous, sisi, qui croyons à ces messages, de nous marier avec vous. Kuoana na nyinyi. N'acceptez pas. Tusikubali. Qui que qu'il soit. Akuwe nani njo. N'acceptez pas. Tusikubali. Vous frères. Nyinyi wa ndugu. Ne prenez pas les Moabites. Siweze kuwa wa Moabu. Ne les prenez pas. Tusiwakamate kwa wake wenu. Notre Dieu. Mungu wetu. Il déteste le mariage mixte. Anachukia hiyo ndoa ya kuchangana. S'il te laisse aujourd'hui te marier avec une païenne, kama ke kwa chilea uwane na mpagani leo, c'est mieux qu'il aille se repentir avec Akabe et Jezabel. Basi ataweza njo kwenda kutubu. Or notre Dieu ne fera jamais ça. Basi Mungu wetu kamwe. Alors pour que cela n'arrive pas, ne commettez pas cela. Usiwezake kuitenda. N'allez pas vous marier à l'extérieur. Usiwezake kububana nje. Il a dit, akasema, mais si tu connaissais celui basi, à qui tu parles, ça c'est notre Seigneur qui a répondu. Si tu connaissais celui à qui tu parles, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Basi, maji ya kunywa. Essayons tujaribu de tirer l'attention sur le Seigneur. Kutazamia kabisa Bwana. Essayez d'exciter le Seigneur. Tuweze kujaribu kumuvuta Bwana atutazame. Qu'il tire son regard sur toi aussi. Aweze pia kukutazama. Nous ne voulons pas un Dieu de paroles seulement. Atupendi tu Mungu wa masemu tu. Mais un Dieu qui agit. Lakini Mungu mwenye kutenda. Un Dieu qui parle. Mungu mwenye kunena. Et la conversation s'est poursuivie jusqu'à ce que mazungumzo kaendelea mpaka Jésus y découvre son problème. Yesu akafikia kugundua tatizo lake. Quand tu es devant un homme de Dieu, wakati unapokuwa mbele ya mtu mtumishi wa Mungu, ou bien un saint de Dieu, au mtakatifu wa Mungu, ne sois pas pressé. Usikue haraka haraka de lui montrer que tu connais aussi la parole. Wakati unaanza kumuonyesha kwamba wewe unajua pia neno.
Tu viens voir ton pasteur unakuja kumuona mchungaji wako, et il lui dit Dieu m'a dit. Na unaanza kumwambia Mungu ameniambia. Selon toi tu pensais qu'est-ce qu'il peut t'aider là-bas. Basi, sasa unaweza yeye atakusaidia na nini njoo. Aussi le Seigneur a dit. Basi kama Bwana njoo alisema. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Basi hakuna tena kingine cha kufanya. Atasa que le Seigneur va faire parce qu'il a dit. Chunga basi yenye Bwana atafanya sababu alishasema. Le Seigneur t'a parlé. Bwana amekuzungumzia. Tu parles de Dieu parce que Dieu m'a dit. Unaenda kumwambia mchungaji Mungu ameniambia. Pour qu'il fasse quoi? Basi afanye tena nini basi? Garde ça dans ta poche. Chunga hayo mzuri ndani ya mfuko yako. Quelqu'un sait-il ce qu'était son problème? Mtu anajua shida yake ilikuwa ni nini? Le problème le prophète demande ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le problème de la femme samaritaine? Je kuna mtu mwenye alikuwa anajua hiyo shida ya huyo mwanamke msamaria? Le prophète dit. Nabii anasema elle vivait en adultère. Alikuwa akiishi ndani ya ukahaba. Peut-être il y a quelqu'un qui a le même problème aujourd'hui. Pas seulement un adultère charnel. Mais nous sommes il y a d'autres qui sont des adultères spirituels. Tu n'as pas de position. Aujourd'hui tu es avec ces pasteurs. Demain tu es là-bas. Tu choisis ici l'église. Tu choisis là-bas l'église. Tu choisis de l'autre côté l'église. Adultère. Et Jésus lui a parlé disant. Va appelle ton mari. Et viens ici. Elle a dit. Je n'ai point de mari. Jésus a dit, Yesu akasema, c'est vrai, ni kweli, tu en as eu 5. Umesha kuwa na 5. Tu as déjà combien de maris? Umesha kuwa na wanaume wangapi? Tu promets combien d'hommes? Unakuwa uko na idea wanaume wangapi kwamba? Beaucoup de je t'aime. Unasema na wote nakupenda. Tout le monde est ton chéri, je t'aime. Kila mtu ni rafiki yako, ni mpendwa wako. Tu feras mieux de quitter les autres là et t'attacher à un seul mari. Tu en avais 5 et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu y as dit vrai. Umesema vema, umesema vizuri. Quand elle dit, basi akasema nini? Elle a dit, akasema, Seigneur, Bwana, écoute la réponse de la femme. Sikilizeni jibu ya Seigneur, mwanamke, Bwana, je vois que tu es prophète. Naona kwamba wewe ni nabii. Elle ne s'est pas fâchée. Hakukasirika. Elle a reconnu sa faute. Elle a reconnu ses péchés. Elle a compris quelque chose. Elle a dit, na akasema, Seigneur, Bwana, je vois que tu es prophète. La femme n'a pas montré à Jésus qu'elle est aussi capable de se défendre. Reconnaissons nos erreurs. Maintenant, suivez. Ce n'est pas tout. Nous savons que quand le Messie sera venu, c'est la réponse de la femme. Nous savons que quand le Messie sera venu, ça sera là son signe. Le discernement des pensées. Combien savent que c'est ce que déclarent les Écritures? Les prophètes demandent combien savent que c'est signe et pour les Messie qui devraient venir. Nous savons que quand le Messie sera venu, il nous montrera toutes ces choses. Mais toi, qui es-tu? Elle a reconnu d'abord. Elle savait que de tels signes, c'était pour le Messie. Elle a posé le Seigneur. Mais toi, qui es-tu? Écoute la réponse. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus a dit, je le suis. Il s'est placé, sur la prophétie. À ce temps-là, il était l'accomplissement de la prophétie. Il était la parole faite chair pour la femme.
Jésus aussi a reconnu sa position. Yesu aliweza kutambua msimamo wake. Quel était alors son message à elle? Basi, ujumbe wake ilikuwa ni gani? Quel était le message de la femme? Ujumbe huyo mwanamke. Elle est entrée dans la ville en courant. Akaenda mjini akikimbia kabisa. Et a dit. Na akasema. Aujourd'hui l'église Leo kanisa est incapable inashindwa. Après avoir raconté le Kisa Seigneur kukutana na Bwana, d'aller dans la ville mjini, et dire aux gens na kuweza kusema na watu, de témoigner kuweza kushuhudia que Jésus rencontrait avec le Seigneur. Kukutana na Bwana. Impossible haiwezekani et incapable hawawezi. Qui témoigne parmi vous nani njoo anashuhudia des grandeurs que Dieu fait ici? Makubwa ya Mungu yenye Mungu iko natenda hapa. Ils ne sont pas beaucoup. Hawako wengi. Ils cachent cela. Wanakuwa huko na ifichika. Tu seras comme Elisabeth. Utakuwa sawa Elisabeth. Nous avons besoin de Marie aujourd'hui. Tunakuwa na lazima ya Maria leo. Les Marie qui témoignent. Maria wenye kushuhudia. Marie. Maria. Elle s'est croisée avec l'ange. Alikutanaka na malaika. Et l'ange elle a dit tu seras. Malaika kamwambia kwamba utabeba mimba. Mais Marie n'a pas gardé ça lakini pour Maria elle. Kuikinga kwa ajili yake mwenyewe. Marie a commencé à témoigner afin même que le septième soit là. Ili yule mtu aweze kukua pale. Afin que le septième. Ah kabla hiyo kuonekana iweze kuonekana. Marie n'a pas attendu le signe. Maria kuweza kuchunga kwanza maalama hapana. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Sasa wewe unangojaka njoo nini? Elisabeth était déjà enceinte. Elisabeth tayari alikuwa na mimba. Mais elle s'est cachée. Lakini alikuwa anajificha. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Ndio nyenyenye mko natenda leo. Aujourd'hui. Leo. Le Seigneur est sur ton chemin. Bwana anakuwa njiani mwako. Écoutez la parole de la femme. Sikiliza basi neno la Mungu. Venez voir un homme. Muje muone mtu. Qui m'a dit ce que j'ai fait? Ameniambia nyenyenye nilishakafanya. Ne serait-ce pas le Messie même? Atakuwa njoo Masia huyu. La femme est partie dans la ville. Dire aux gens. Et les gens ont crié à cette femme. Avant de voir Jésus. Mais quand ils ont vu Jésus. Ils ont dit ce n'est pas parce que tu nous as dit. Que nous avons crié. Mais nous avons vu. Appelez les gens. Appelez-les qu'ils viennent voir aussi par leurs propres yeux. J'ai fait pour vous des choses. Et vous ne voulez pas témoigner. Allez appeler les autres. Qu'ils viennent aussi qu'ils témoignent. Vous savez, c'est facile pour les gens de l'extérieur d'être bénis que nous qui sommes ici. Kuliko sisi hapa. Et quand elles sont bénies, na wakati wao wanabarikiwa, ils ont une adresse. Wanakuwa nafasi yao, anuani yao. Mon cher, tu sais, c'est quelque part là. Unajua, ni fasi fulani. On a prié pour moi là dans cette église là. Pale kwa ile kanisa pale. Mais nous, lakini sisi basi hapa, nous ne voulons même pas témoigner. Hatupendi hata kushuhudia. Vous cachez Jésus. Muko nafichika Yesu. Il a dit de ses pierres. Alisema kwamba kutokea majiwe hii. Il préfère les enfants pour Abraham. Anaweza kusisimua watoto wa Abraham. Faites attention église. Fanyeni angalisho kanisa. Amen. Amen. Nous sommes sur notre sujet. Tunakuwa kwenye lengo letu. Il fallait que Jésus passe. Yesu apite sur ton chemin. Njiani mwako. Aujourd'hui. Leo. Il faut, inabidi, c'est une obligation, inakuwa kabisa surutisho, que Jésus passe kwamba Yesu aweze kupita, ici à Bethel. Hapa ku Betheli. Que Bethel, Betheli, parle aussi Jésus. Iweze pia kumugusa Yesu. Mais Jésus est déjà là. Basi Yesu tayari iko hapa. Bethel ne voit pas. Betheli haimuone. Bethel est encore aveugle. Bethel ngali kipofu. Crier amen. Tuseme basi amina. Ne suffit pas. Haitoshi. Prêcher cette parole Ubiri, ne me suffit pas. Hainitoshele. J'ai besoin de vivre. Niko na lazima ya kuishi. Et j'ai besoin des résultats de cette parole. Kuona matukio ya hii neno. Je ne vais pas écouter cette parole et rester ici. Na kubakia tu hapa. Je vais appliquer d'abord la parole, vivre la parole, neno, et qu'un jour cette même parole neno, puisse m'élever. C'était les chameaux. C'était les chameaux que Rebecca avait apprévu. C'est le même chameau qui avait transporté Rebecca vers Isaac.
La même puissance que vous nourrissez aujourd'hui. Par vos consécrations. Par vos prières. Par vos sacrifices. Sens. Qui te prendra pour t'amener à ton époux. Si tu ne nourris pas cette puissance, tu resteras. Tu risques d'être un aluminium. Parce que quand les mains passent, ça ne prend pas l'aluminium. Ça prend le fer. Et si tu veux être aluminium, reste ne prie pas. Tu resteras ici. Moi, je partirai. Si c'est deux personnes dans cette église, moi et mon pasteur, nous partons. Vous tous, vous restez là-bas. À chacun de juger. Alors si tu te fâches aujourd'hui, mets-toi en travail. Commence à nourrir la puissance qui est à toi. Si tu es incapable de prier pour les maux de tête, tu penses que tu auras la foi d'enlèvement. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Prédication. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Paragraphe 29. Le diable nous avait mis dans un magasin de prêts sur gage. Voilà. Dans un magasin de prêts. Ok. Mais Jésus nous a rachetés. Je répète, le diable nous avait mis dans un magasin de presse. Il t'a mis dans une boutique. Là, on va toujours en prêter. Tous les jours en prêter. En prêter. Mais le Seigneur, quand il est venu, il est passé sur ton chemin. Mais Jésus nous en a rachetés. Il est notre parent rédempteur. Jésus est notre parent rédempteur. S'il passe sur ton chemin, sache qu'il est d'abord le parent rédempteur. Dieu fait chair. Notre parent pour nous racheter de la malédiction du péché et de la maladie. Et ce soir, il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il demeure avec l'église, qu'il accomplisse des signes, des prodiges, de la guérison et du salut. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous m'avez entendu? Non, je répète. Je répète. Dieu, Mungu. Pardon. Il est notre parent rédempteur. Dieu fait chair. Mungu aliyefanyika kuwa mwili. Jésus. Yesu. Un Dieu fait chair. Mungu mwenye amefanyika kuwa mwili. C'est pas Branham. Sio Branham. Non. Apana. Jésus. Yesu. Notre parent. Muzazi wetu. Pour nous racheter de la malédiction du péché et de la maladie. Na ya magonjwa. Ce soir, jioni hii, à l'instant même, kwa hii wakati hii, aujourd'hui jeudi, leo nasema, le 30 septembre 2021, il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il demeure avec l'église. Est-ce qu'il y a un amen? Qu'il accomplisse des signes et des prodiges de la guérison et du salut jusqu'à quand? Jusqu'à son retour. Donc, les signes, les prodiges et les miracles
accompagnera l'église jusqu'au retour du Seigneur. Cela ne partira pas. Ça reste avec l'église. Cela devait durer jusqu'à quand? Aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute création. Aller partout le monde et démontrer cette puissance. Bethel Tabernacle, allez partout le monde, de chaque coin, allez à Ndibé, toi qui es à Ndibé, toi qui es à Lembabo, c'est à Wambuzi, Wakole, à Hoho, à Lumumba, à Bakoko, dans tous les quartiers, même à Shari, allez démontrer la puissance. Ne cachez pas la puissance de Dieu. Vous avez beaucoup caché la puissance de Dieu. Mingi uwezo wa Mungu. Voici le miracle. Tazameni maishara, miujiza. Qui accompagnera ceux qui auront cru. Si tu ne crois pas, kama uamini, garde ça dans la poche. Basi hayo mais mwako. À ceux qui lakini croient, wale wenye wanaamini, je ne parle pas aux incrédules, mais je parle à ceux qui croient. Prends la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Ndani mwako, allez démontrer cela. Kuionyesha wazi wazi. Que les gens sachent que Jésus n'est pas mort, Yesu akufa, que Jésus n'est pas dans la tombe, que Jésus est ressuscité. Yesu Pierre l'avait déjà démontré. Petro tayari alisaka kuionyesha. Paul l'avait démontré. Paulo tayari alionyesha. William Branham l'a démontré. Branham ameonyesha. Notre pasteur le démontre. Mchungaji wetu yuko na ionyesha. Et maintenant toi. Sasa wewe. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Sur ton chemin, tu croises quelqu'un malade. Mais toi, au lieu de prier, tu appelles quelqu'un d'autre. Et lâche. Dieu n'aime pas de lâche. Est-ce qu'il y a un amen? Jusqu'où? Partout le monde. Quand cet évangile aura été prêché dans le monde entier, alors je reviendrai. Jésus a dit, Yesu alisema, quand ce message, cette bonne nouvelle, sera prêchée dans le monde entier, c'est alors qu'il revient. As-tu évangélisé ce message? Je, voici les miracles qui les accompagneront dans le monde entier. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents ou s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. C'est pourquoi, par l'inspiration, notre passé nous avait dit, même si vous buvez du poison, même si je te donne du poison, à n'importe quelle manière, cela se transforme en vitamine dans ton corps. Mais pourquoi tu as peur aujourd'hui? Tu as peur de salir ta soeur ou bien ton frère? Yako. Au poison. Oh, le poison c'est quoi? Ici, apa. La parole dit, neno tu vas boire, utakunywa, pas du mal. Qu'en est-il des gens de Patmos? Là il y avait des serpents, des scorpions et tout. Il n'était pas mort. Paul ne s'est pas la mordi à cause de vipère. Mais il l'a secoué dans les fées. Si tu as la même foi avec celui de Paul, tu feras la même chose. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu de l'histoire. Il est le Dieu au temps présent. Il est un Dieu réel. Peu importe les poissons dans ton corps.
Il est le même maintenant. Anakuwa sawa sawa hata sasa. Jésus a dit Yesu alisema, que ce serait là le même signe. Itakuwa ni yoyo alama. C'était exactement comme Moïse qui éleva le serpent de mer. C'était un signe. Ilikuwa ni alama. Que Dieu était dans les camps. Kwamba Mungu alikuwa ndani ya kambi. Comme Moïse avait élevé le serpent de mer. C'était un signe. Que Dieu était dans les camps. Mungu alikuwa ndani ya kambi. Je continue. Naendelea. Quand les eaux wakati jaillissaient du rocher. C'était un signe. Ilikuwa ni alama. Que Dieu était dans les camps. Mungu alikuwa ndani ya kambi. Est-ce que vous suivez? Je munafuata. L'eau sur les rochers. C'était le signe que Dieu était dans les camps d'Israël. Quand l'eau était agitée dans la piscine de Bethesda, c'était un signe que Dieu était dans les camps. L'eau agitée était le signe que Dieu était dans les camps d'Israël. Amen. Amen. Quand Jésus guérissait les malades, faisait marcher les escroqués, faisait voir les aveugles, Dieu était dans les camps. Tous les signes et les prodiges que vous voyez aujourd'hui, c'est la preuve que Jésus est dans les camps. C'est une preuve que Jésus est avec nous. C'est preuve que Jésus marche aujourd'hui. C'est preuve que Jésus est à Bouya. Il est preuve que Jésus est à Bethel. Et qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Quand Pierre et Jean passaient par la porte appelée la Belle, qu'ils ont amené un homme qui était estropié depuis le sein de sa mère à s'élever. C'était un signe que Dieu était dans les camps. Que le Saint-Esprit était venu à la Pentecôte et qu'il avait revêtu de puissance ce groupe de gens. C'était un signe que Dieu est dans les camps. Aujourd'hui, je reviens ici à Bounia. Je reviens à Bethel Maskani. Si tu as des requêtes, kama unakuwa na mahitaji, tu as écrit les requêtes, umeandika mahitaji, et on a pointé ici, na waliweza kuishota on hapa, a pointé du doigt, walishota kidole, et que tu as reçu la réponse à cela, waliweza kupata jibu. C'est la preuve que Jésus est ici. Inaonyesha wazi kwamba Yesu iko hapa. Notre Seigneur, Bwana wetu, il chassait les démons alikuwa anafukuza mapepo, par le doigt. Na kidole. Nous, nous sommes son épouse. Tunakuwa bibi yake harusi sa partie amour. Tunakuwa une partie de Dieu. Mapendo, nous aussi, nous allons chasser les démons par le doigt. Na kidole. Aujourd'hui, Leo, quel est ton problème? Si, yako ni si tu es malade, mkwa, tu n'as pas à t'inquiéter. Le doigt de Dieu, kidole ya Mungu, le doigt de Dieu kidole ya Mungu, est parmi nous. Tu as appris. L'homme, Mutu, il a pris le doigt d'un homme, cela est devenu son doigt. Le doigt de Dieu Mungu, va devenir ton doigt aujourd'hui. Si tu as un problème, aujourd'hui, Leo, tu peux effacer cela. Nous sommes les effacer les tableaux. Nous effaçons les tableaux. Là où il y a la maladie, nous effaçons. Là où il y a le péché, nous effaçons. Là où il y a les problèmes, nous effaçons. Là où il y a les problèmes, nous effaçons. Là où il y a les pleurs, nous effaçons. Là où il y a la crise, là nous effaçons. Alléluia. Amen. Notre Dieu Mungu wetu, nous a pris, nous a doté des talents, mamlaka, des talents iyo, que le monde n'en a pas. Dunia haina. Les autres, quand ils le voient, quand vous pointez du doigt un papier, ils peuvent appeler ça de la magie. Mais parce que vous êtes la semence d'Abraham, vous êtes la partie amour de Christ, vous êtes la parole pour cet homme. Vous croyez à cela.
Et ce n'est pas tout. Na hiko mwisho haitoshi. Vous, nyinyi, vous êtes munakuwa la solution. Munakuwa suluhisho. Ici à Bunia. Hapa Bunia. Quand il y a un problème, wakati kunapokuwa shida, vous n'avez pas besoin d'aller consulter le gouverneur. Kukutana na ni appeler le président. Hakuita raisi. Un secret. Kunakuwa siri. Il y a un secret. Kunakuwa siri. Peut-être vous ne connaissez pas. Inawezekana ulikuwa ujue. Ici, hapa, à Ituri. Hapa Ituri. Quand le président vient, wakati raisi anapokuja, il aura besoin du gouverneur pour le voir. Lazima ya liwali, et le ministre, na wale wengine, et le député. Na wa député. Mais laissez-moi te dire, lakini acha nikuambie, quand le Seigneur Jésus wakati viendra, kwana Yesu atakuja, il n'a pas besoin de voir le gouverneur. Lazima kukutana na liwali, le gouverneur de Bunia, liwali wa Bunia, je n'ai pas honte de dire, c'est Jacques Bilombe. Jacques Ben Bilombe. Amina. Il allait écouter là ici. Hapa. Et le député. Et le ministre. Na wa ce sont ces prédicateurs. Wa ubiri. Est-ce qu'il y en a? Ah! Alléluia. Jésus. Yesu. Il n'a pas besoin de venir chercher le gouverneur militaire. Mais il a besoin de voir Ben Bilombe. Est-ce que vous croyez à cela? Quand il y a des maladies, le gouverneur ne peut pas trouver une solution. Mais quand il y a une maladie, il y a un Ben Bilombe qui peut chercher Dieu. Dis Seigneur, regarde ton peuple. Merci Seigneur. Dieu Mungu n'a pas besoin de consulter les politiciens. Na wale Dieu a fait sa politique. Mungu il a fait sa politique. Ce n'est pas ce que les hommes font. Watu et là-bas, ils sont corrompus. Mais ici, il n'y a pas de corruption. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui voit. Il donne des solutions. Il voit. Il parle à un homme. Amen. Et pour que Dieu passe sur ton chemin, il n'a pas besoin de descendre avec les anges. Mais il a ses hommes. Les hommes vont passer par chez toi. Il a ses hommes. Vous avez besoin de médecins. Le grand médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ces infirmiers lakini waganga sont ici avec vous. Wiko hapa pamoja nanyi. Lui, il détecte la maladie. Yeye anatazama na kugundua magonjwa na anasema va. Kwenda. Allez guérir les malades. Kwenda mponye wagonjwa. C'est le Seigneur qui a dit. Ni Bwana ndio alisema. Le grand docteur. Huyo muganga il est resté dans son bureau. Alibaki ndani ya ofisi yake iko natazama. Il a dit, vous les infirmiers, waganga, allez soigner. Allez, mwende mutuse, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. À ceux qui croiront. Pas à ceux qui ne croiront pas. Mais à ceux qui croiront. Les signes. Les prodiges. Les guérisons. Les miracles. Les accompagneront. Et quand ces gens-là passeront par chez toi, il y aura une solution. Il y aura une bénédiction. Il y aura une guérison. Il y aura un salut. Il y aura le pardon des péchés. Il y aura la visitation céleste. Amen. Il n'y aura pas de commérage. Kutakuwa kutetana. Non. Apana. Mais il y aura la bénédiction. Lakini kutakuwa mibaraka. Il y a d'autres personnes kunakuwa watu wengine qui peuvent passer par chez toi. Wanaweza pita tu kwako hivi. Tu ne sens rien. Hautasikia hata kitu. Mais il y a d'autres. Lakini kuna wengine. Les pions. Wale wenye wanakuwa mapio. Qu'on appelle dame. Wenye wanaitaka dame. Vous avez les piola. Unajua hiyo visimbi vile. Ça n'a pas de barrière. Haikwake na mpaka. Si c'est quitter d'ici pour aller là-bas. Toka hapa juu ifike pale. Ça va quitter ici pour aller. Toka hapa itafika pale. Les autres fois aller case par case. Wengine watapita hiyo kwenda. Mais c'est piola de dame. Nukta, lakini ça fait des grands pas. Madame inapita kanjo ikikata hatua kubwa. Alors que les autres sont dans les chumba de maombi. Wengine wiko ndani ya chumba maombi. Pour prier de la folie, ils ont besoin de chumba de maombi. Faites des prières une semaine. Il avait même les fous à les gêner. Mais ici, nous n'avons pas même de faire gêner la malade. Les malades. Ici, il y a un Jésus permanent.
Nous n'avons pas besoin de permanence de maison. Mais nous avons un Jésus permanent. Il est parmi les, parmi son peuple. Il n'a pas besoin de beaucoup de jours. La femme samaritaine, ça n'a pas pris beaucoup de jours. Quelques minutes, quelque chose s'est passé. Je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est juste près de toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller consulter Jésus et rappeler son problème. J'ai dit non. 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 La femme, Manamuke, à la perte de sang, ce n'était pas dans une minute qu'elle était guérie. Mais dans la seconde qu'elle avait touché seulement, elle est partie. Tayari. Et c'était fini. Tu es dans la présence de Jésus. Maintenant, tu es dans sa présence. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu vas encore chercher des formules. Tu as besoin de former pour avoir solution. Non. Jésus est dans les camps. Jésus est dans les camps. Il est maintenant même dans les camps. Peut-être qu'il te suffit seulement de croire. Est-ce que tu peux croire ce soir? Lisons ceci. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Paragraphe 74. Le prophète dit, Nabi anasema, c'est dont nous avons besoin ce soir. C'est dont Bethel Tabernacle a besoin ce soir. C'est de croire. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as juste besoin de croire. Mon frère, que vous êtes un fils de Dieu. Que vous êtes un fils de Dieu et que vous y avez droit. Vous avez droit de croire. Tu n'as pas droit d'aller emprunter de croire quelque part. Mais tu as le droit comme un fils de Dieu de croire et que la promesse est votre. Cette personne, cette promesse de croire, c'est pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. Tout ce qui est dans votre main, prenez-le, mettez-vous à tuer le diable de part et d'autre. Tout ce qui est dans ta main maintenant, prenez-le et mets-toi de tuer le diable de part et d'autre. N'ayez pas pitié de lui. Nous continuons. Et vous verrez que les plumes commenceront à s'envoler et le diable sera vaincu. Quand vous tuez le diable, vous lui tapez chaque coup. Il essaie, tu lui tapes. Il essaie, tu lui tapes. Il essaie, tu lui donnes des coups. Pas les coups de blague. Non, des sérieux coups. Tu lui fais quatre coups dans une seconde. Il est écrit. Il est écrit. Ôtez même les gants. C'est possible. Ajoutez même des fers. Mettez même des coups. Et boxe-lui sur le front. S'il t'amène les péchés, mets seulement voilà tes clous. Boxe-lui. Dis-lui, il est écrit. Mon Seigneur t'a déjà vaincu. Comment tu viendras me taper? Boxe-lui. Et
vous serez de nouveau en bonne santé. Si tu tapes le diable et tu lui dis de part et d'autre, tu vas te rendre compte que tu es en bonne santé. Le diable a joué avec toi, avec des maladies, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Dis-lui c'est assez. Mwambie natosha. Trop c'est trop. Inapitisha kipimo. Trop c'est trop. Inapitisha kipimo. Aujourd'hui, Leo inaenea. Il faut savoir. Inabidi kujua. Prendre des décisions. Weza kukamata msimamo. Qui a-t-il dans ta main? Je, mkononi mwako kuna vous direz, utasema, frère Branham, ndugu Branham, je n'ai rien en main. Sina mkononi kitu. Écoutez le prophète. Sikilizeni nabii. Vous aurez peut-être une carte de prière. Uko na hiyo karata ya maombi. Peut-être vous avez le rendez-vous avec le pasteur. Na uko na aliko na mchungaji. À cause de la maladie. Kupitia, ou avec le président des diacres. Ou avec le diacre. Ou avec n'importe quel prédicateur. Le prophète dit, nasema, jetez-la par terre. Tupa hiyo karte chini. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Mama, katika jina la Yesu na useme, ce soir, jioni hii, j'accepte Christ comme mon guérisseur. Prenez cette carte. Kamata hiyo karte, prenez ce rendez-vous. Hiyo, mettez ça par terre. Et dit, na useme, ce soir, jioni hii, j'accepte. Nakubali. Le Seigneur Jésus-Christ, Christ, comme mon guérisseur, comme wangu. Si tu confesses de ta bouche, kuna tu verras la solution. Suluhisho. D'ailleurs, même maintenant, kwa sababu unakuwa hapa sasa. Même maintenant, hata sasa, si tu as des douleurs, kama unakuwa na maumivu, des problèmes, mashida, des maladies, magonjwa, essayez d'oublier ça. Karibu kuisahau, au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu. Nous n'avons pas d'autre formule à faire. Je n'ai pas d'autre formule. Parce qu'il est écrit. Vous pouvez avoir sur les bras un petit adhésif de catéchisme. Et vous voulez vérifier pour voir si j'ai raison ou pas. Laissez tomber cela. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Et entrez dans les camps. Je continue. Je crée que vous ayez un tas de petits credo que les gens doivent répéter le matin avant d'aller à l'église. Mariam Takatifu, maman, Mariam Takatifu, lelelele. Sainte Marie. Tu as le chapelet chaque jour avant d'aller à l'église. Tous les jours. Écoutez, sikilizeni. Les apprendre jusqu'à les réciter. Kuweza kuirudiliaka kila siku mpaka na ikala inaingia mkicho. Oh notre mère. Oh mama yetu. Oh notre mère. Qu'est-ce que ta mère a fait? Mama yako basi amefanya njoo nini? Nous continuons. Tunaendelea. Nous sommes où, pardon? Ah. Laissez tomber cela et que votre cœur soit rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de répéter tes prières tous les jours la même chose. Ça c'est ce qu'on appelle la marche de la mort. Tu pars, tu tournes, tu reviens toujours sur le même problème, tu changes le côté, toujours le même problème. Essayez de redresser la tête. Jaribu kwanza kuinua regarde kichwa, devant toi. Tazama mbele yako. Na usonge mbele. Notre Dieu, Mungu wetu, il connaît frayer les chemins. Anajua kufungua njia. Il est spécialiste. Anakuwa kabisa à frayer les chemins. Kwa kufungua njia. Là où tu pensais que tu avais toujours la solution. Dieu, il va frayer notre chemin. Atafungula ingine njia.
Tu pensais que tu te suffis toi-même. Na waza una Dieu va donner une autre dose. Mungu ataleta ingine dose. Plus que ce que tu pensais que tu as déjà fait. Tu vas chercher quelqu'un de plus puissant. Je n'ai pas peur. Sina woga. Et honte de dire. Na haya ya kusema. Si tu échappes à mon épée. Kama ukeponyoka mpanga yangu, il y a une autre épée qui t'attend. Kwa ingine mpanga nyeko l'épée de Joseph Lokolo. Mpanga Joseph Lokolo. Si tu échappes à cela. Ukeponyoka. Il y a une autre qui est derrière moi. Mpanga ingine kwa nyuma yangu hapa. Il tient bon l'épée. Il va couper l'ennemi. Atakata adui. Ne laissez pas l'ennemi te passer entre les pieds. Même s'il est petit, écrasez d'abord. Même si sa nature peut te faire peur, essayez. S'il te dépasse, appelle le secours. S'il échappe aux épées de diable, l'autre derrière moi, il y a une autre épée qui est ici. Il va couper ça. Parce que ici à Bounia, je n'ai pas honte haya mimi de dire. Parce qu'il est mon pasteur. Il est ton pasteur. Il est le pasteur de Bounia. Il est le pasteur de l'Ituri. Alléluia. Si tu refuses, cherche ton pasteur. Mais pour moi, c'est lui. Je n'ai pas peur de dire que son Dieu est mon Dieu. Alléluia. Si je suis devant un problème, j'écris ceci. Où es-tu? Éternel Dieu de chaque peine birobée. J'ai dit ça. Si tu ne dis pas ça, c'est ton problème. Je sais ce que je dis. Parce que le Saint-Esprit qui est chez vient de lui. Et ton Saint-Esprit vient d'où? C'est à cause de ça que tu n'obéis pas ce qu'il te dit. Hey. Tu vas chercher ton pasteur. Parce que tu lui fais aussi craquer beaucoup la tête. Il a aussi besoin de repos. Tu n'es pas la seule personne à avoir toujours des problèmes. Non. Vous lui faites fatiguer. Il a besoin du repos aussi. Tous les jours, toi seulement. Vous pensez qu'entrer dans ce bureau, c'est une plaisanterie. Moi, je vois le pasteur quand je veux. Et aussi du respect. Et aussi du respect. Ayez du respect envers cet homme. Au lieu de lui tourmenter tout le temps, il y a le diacre, il y a le prédicateur, embrouillez-le comme vous voulez. Mais lui, il a le fardeau d'un peuple sur son épaule. Même Branham prenait aussi des repos. Il n'est pas une machine. Il n'est pas une machine. Il se fatigue aussi. Peut-être lui-même ne peut jamais vous dire ça. Et moi je le dis. Il fallait que Jésus passe aujourd'hui dans Bethel pour vous dire ça. Il lui fallait passer. Il lui fallait passer. Il lui fallait passer. D'ailleurs, tu le tourmentes chaque jour. Mais tu ne le respectes même pas. Tu veux lui faire ton ami. Un petit conseil. Ne cherchez jamais. Ne cherchez jamais à comprendre cet homme. Je l'ai dit. Ne cherchez jamais à comprendre son Dieu. Le prophète a dit, ce soir, nous avons besoin de croire. Nous n'avons pas besoin de connaître comment ça sera. Non! Crois seulement. La promesse est à toi. Si tu crois, tu verras la main du Seigneur.
Merci parce que tu as compris. Asante sababu umeelewa. Ne dérangez pas cet homme beaucoup. Pardonnez-moi, l'air est déjà là. Mais vous, quand vous dormez et que ton enfant t'appelle à nous, qu'est-ce que tu dis? N'est-ce pas, tu t'ennuies? Ah, il m'appelle toujours Mais vous êtes ses enfants, non? Mais lui, il a le cœur disposé pour te recevoir. Mais de retour, tu n'as pas le cœur de compartir avec lui cette charge qu'il a. Tu ne pries même pas pour lui. Tu ne pries pas pour lui. C'est ton problème, non? Tu restes ici à genoux toute la nuit. Tu ne penses pas à ton pasteur. Tu restes à genoux chez toi. Tu ne penses pas à ton pasteur. Tu peux prier pour tout le monde. Et tu oublies même les pasteurs. C'est après avoir prié. Tu peux déjà tenir debout. Et Seigneur, pardon, j'ai oublié mon pasteur. Hypocrite. Néanmoins, Dieu t'aime. Basi, mwisho, lakini Mungu anakupenda. Néanmoins, Dieu t'aime. Ingawa yote, Mungu anakupenda. Change ta manière de prier. Quand tu kuomba, pries, wakati et que tu as la, tu as besoin na unakuwa na lazima, de quelque chose, ya jambo le fulani, prophète dit, nabia nasema, le pasteur mchungaji, est la porte anakuwa ni mulango, pour nous. Kwetu. Si tu as besoin de la bénédiction, kama kuna lazima mibaraka, et que tu pries, na uko naomba, souviens-toi, kumbuka, dis, éternel, wow. Jacques Ben Bilongi. Jacques Ben Bilongi. Là tu auras le couloir vale, utapata njia pour entrer dans la galerie. Kuingia ndani si tu ne fais pas ça, ufanye ile, tu ne peux pas entrer. Basi, utaingia. Amen. Tu veux ouvrir. Unatafuta fungula. La porte est ici. Mulango hapa. Avec la clé na funguo de chez toi à la maison. Ya nyumbani kwako. Ça ne peut pas s'ouvrir. Yasi tafungula. Il faut prendre la clé de cette même porte. Inaomba funguo ya hii mulango. Si Dieu nous a donné cet homme, Mungu alitupatia bwana huyu, je ne lui prêche pas, ne me dis pas que je lui prêche. Je ne lui prêche pas. Siko na mhubiri mimi, hapana. Oh, azote ya pasteur. Siko na mhubiri mchungaji. Azote ya ete. Siko na mhubiri, hapana. Si tu as besoin d'entrer ici, kama kuna lazima kuingia hapa, prends la clé de cette porte. Kamata funguo ya hii mulango, la bénédiction de Bunya, baraka ya Bunya. Ce n'est pas aller chercher la clé à Kisangani, ou à Kisangani, à Butembo, Butembo, ou à Lubumbashi, Lubumbashi, ou aux États-Unis. Amerika, non, hapana. La clé est ici. Funguo iko hapa. La clé est ici avec nous. Si vous reconnaissez les dons de Dieu, si seulement tu reconnais les dons de Dieu, tout ce que tu as besoin, il est écrit. Si vous recevez le prophète, en qualité du prophète, vous recevez la récompense du prophète. Ici à Bethel, tu reçois un apôtre, en qualité d'apôtre, tu reçois la récompense d'apôtre. Et si tu crois à lui, Dieu avait dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire, et notre pasteur fait de tout son mien pour que nous puissions lui croire. Donne information. Je lui crois à 100%. Et à toi maintenant de mettre ta place. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Oh, merci Frère Jacques pour les bonnes paroles. Mais... Oh, asante bwana kwa ajili ya masemi mazuri mazuri. Tellement mis mal à l'aise. Lakini menisia kabisa sijisikie vizuri. C'est mal dit ouvertement. Acha niseme wazi wazi. J'aime beaucoup Hope. Hein? Mimi napendaka sana Hope. Je ne peux pas mourir avant elle a laissé. Sipendi nikufe mbele na kumwacha. Jésus n'aime pas que sa gloire soit donnée à quelqu'un d'autre. Yesu apendake utukufu wake bairudishie mwingine njo. Je suis rien. Mimi niko siko kitu. Je vous dis je suis rien. Nawaambia kwamba mimi siko kitu. Je suis juste un simple apôtre. Niko tu mtume bure. C'est Jésus qui est la porte. Yesu ndio mulango. Que vous dites que le pasteur parle comme ça. Non. Laissez-moi ma place. Kama mchungaji anasema yake, mniachie nafasi yangu mimi bwana.
Si je ne pas, vous me levez là, je vais mourir avant. Moko na tafuta kuninua. Ndakufa mbio hapo. Eh? Dit, hein? Moïse. Musa. Tu t'es élevé. Umejiinua. La terre promise ne te rapa. Basi hautaingia kwenye nchi ya agano. Laissez-moi ma place. Moniatie fasi yangu eh. Mes quatre enfants ont encore besoin de moi. Watoto wangu wane, wako wangali na lazima yangu. Je vous aime beaucoup. Nawapenda sana. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Najua pia kwamba mnanipenda sana. Le Seigneur peut utiliser n'importe quoi. Bwana anaweza kufanya kutumikisha izuru nini? Mafuto. Foto yangu pour te guérir, kwa kuweza kukuponyesha, pour te bénir, kwa kuweza kukubariki, le mushuare, mushuare, mon ombre, kivuli yangu, wale yote, ma place. Lakini mniache njoo kufasi yangu Bwana. Dis mon amen à ça. Muniambie amina kwa hiyo. Que vous refusez ou pas. Mukatale wala hapana. Le Seigneur connaît mon cœur. Bwana anajua roho yangu. Je parle du feu de mon âme. Niko nazungumzia kuhusu yenyeko ndani kilindi ya roho yangu. Je voulais rappeler la personne hier. Nitafuta kukumbusha mahubiri ya jana. Avant de parler, avant de prier. Kabla tuombe. Le jeune homme avait parlé sur. Kijana aliweza kuzungumzia kuhusu. Le nom nouveau. Jina mpya. Que je parle un peu, si c'est un peu. Niweze kuizungumzia kidogo. Dans l'âge de Pergame. Ndani ya kizazi kia Pergame. Je vais lire ça vite. Ndaisoma haraka. Et vous amener à la prière. Na kuweza kuwaingiza ndani ya maombi. Et clôturer le service. Na kuendelesha ibada ya jioni hii. Les bonnes paroles, c'est parfois comme ça. Vous allez me voir fuir. Naona mimi nakimbia sio vema. Prêt? Ah, ya. Un jour, dans l'âge de Thyatire, l'âge de Pergame, 314, laissez-moi commencer avec l'âge de Thyatire, 32. Et sur ce caillou, il aura un nom. Un nom que personne ne connaissait, si ce n'est moi celui qui le reçoit. Il le connaissait, mais personne d'autre que lui ne pouvait le connaître. Quand vous attendez les gens vous flatter, disons, le nom nouveau c'est Jean, c'est Paul, c'est Marie, c'est celui-ci, celui-là, ou celui-là, ne le croyez pas. Parce que si c'était ça, la personne ne dirait jamais rien. Elle doit le garder pour elle. Elle le connaît. Personne ne le connaissait excepté lui-même. Et il le connaissait parce que tous les vainqueurs parfaits reçoivent un nom nouveau. Maintenant, âge de Pergame, 314. Un jour, Jésus racontera un homme du nom de Simon. Et il changea son nom en celui de Pierre. Pourquoi? Il avait les clés. Pierre. Il changea son nom et fit de lui une pierre. Pierre avait les clés. En effet, c'était lui qui avait les clés du royaume. Un nom nouveau. Un nom écrit sur une pierre. Que ni ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Il. Qui. Nani. Il sait. Anajua. Qui il est. Anajua yuko nani. Toi. Weye, tu connais? Unajua? Qui tu es? Nani? Six. Kama. Ce n'est pas celui qui le reçoit. Kama. Mais il sait qui il est. Anajua yuko nani? Mais il ne peut le dire aux autres. Ataweza ambia wengine. Amen. Dis-moi un amen à ça. Amen. Si tu connais qui tu es, garde-la pour toi. Et quand il y a comme un yewe. Vous voyez, Munaona? Personne d'autre que lui le connaît. Pierre savait qu'il avait les clés. On ne l'a jamais entendu se vanter. Abaya tiki aka nanja kujigamba gamba.
C'est moi Pierre. Ni Petro. J'ai les clés. Ni kuna ufungu. Si je n'ouvre pas. Kama mimi kufungula. Ça n'ouvre pas. Haitafungulikana. Si je ne ferme kama pas. Si funge, ça ne ferme pas. Haitafungulikana. Jamais Pierre l'a fait. Acha siku moi Petro alifanya. Oh, tu vois, moi, il veut vous montrer qu'il est le super ministère. Il est le super fils de Dieu. Dieu ne répond qu'à lui seul. Une pierre blanche. Une pierre écrite en nouveau. Ce n'est pas son nom, ce n'est pas son propre nom. Mais il est devenu quelque chose d'autre. Que lui seul connaît. C'est lui qui a reçu de pierre. Ce que c'est de pierre. Lui seul connaît. Si tu reçois la pierre blanche, un nom nouveau, jina mupia, toi seul, tu sauras et tu le garderas. Les gens voulant le fruit, mais toi garde silence, connais qui tu es et garde ton nom nouveau, car que les gens voient les manifestations. Mon Dieu est si bon. Oh, c'est Dieu si fidèle. Oh, il voudra t'aider. Il faut que tu viennes. Si bien, alléluia, mal te trouble de chaque jour, il y connaît. Jésus passe ici ce soir pour te rencontrer et pour te dire, je te donne un nouveau, une nouvelle onction. Je te fais une personne différente. Je vais te changer comme la femme à la pluie. Je te donne de l'eau. Quand tu boiras ce eau, tu n'auras plus soif du péché, ni le péché, ni la mondanité. Ça va terminer cela. C'est l'eau que Jésus donne. Cette eau va te suffire. Ainsi prions le Seigneur. Parce qu'il passe aujourd'hui ici. Thank you.
es-tu lavé dans le sang? Et ton âme. Et es-tu lavé dans le sang, dans le l'agneau? Débarrasse-toi de cet habit de péché. Dans le sang de l'agneau, oh, il y a fontaine qui coule pour la paix. Et puis laisse-toi laver. Et es-tu lavé? Et dans le sang, dans le l'agneau. Des amis, ton ami, férocement, et tu l'avais. Et quand l'époux viendra, ta robe sera épirée et blanche dans le sang de l'agneau. Et la fontaine qui coule pour la main pure et soit lavée. Et es-tu lavé dans le sang, dans le l'agneau? Amen, ton ami, et aussi es-tu lavé? Oh Seigneur Dieu bien-aimé, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois les acclamations de ton peuple. Tu es passé ce soir ici, tu es passé ce soir ici pour rencontrer quelqu'un, pour lui donner de l'eau de la vie. Et cette eau de la vie, quand on boit cela, on n'aura plus soif, mais de nous Seigneur, sortira un torrent, une rivière de l'eau vive. Et si au nom de Jésus-Christ, ta fille a prié, ton fils a prié, ton peuple a prié, exaucez-les, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, soyez exaucés, soyez bénis, soyez répandus, soyez visités au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je répète au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus. Merci notre roi. Maintenant Seigneur Jésus, nous voulons que la parole devienne réelle en nous Seigneur. Bénis nos frères du soir et les demi qui sont récoltés. C'est au nom de Jésus-Christ. Et si on a prié, amen et amen. Dis-moi un amen là où tu es. Dis-moi un amen là où tu es. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oh, gloire à son nom. Amen. Le frère Moutadjir Israël. Donc Moutadjir Israël. Ça serait quelle prière? Remercie-moi d'abord. Shukrani Kwanja. Salutations, frère Moïse Mbabini. Donc Moïse Mbabini. Vous saluez tous. Alors saluez-vous, c'est Jésus Christ. La sœur Rebecca Lokwa, remercie Dieu de l'avoir protégée à l'aller-retour de Bukiringi. Alors je crois que mon linda quand on a couru de Bukiringi. La sœur Masikale. Dada Masikale. Merci de l'avoir protégée à l'aller-retour de Komane. Mon linda quand on a couru de Komane. Frère Charité Maki. Donc Charité Maki. Merci Dieu de l'avoir encore accordé une année de plus à sa vie. Alors je crois que son nom soit loué pour toujours.
Espérance Kakule. Espérance Kakule. Merci Dieu. Anashukuru Mungu. Pour de nombreuses choses. Dieu m'a mengi. Qu'il fait dans sa vie. Ndiye kuna fanya katika maisha yake. Des requêtes exaucées. Mahitaji najibiwa. Des guérisons. Bauponyaji. Beaucoup d'autres choses. Mambo mengine mengi. Il dit que son Saint-Nom soit loué. Infiniment. Requête de prière. Hitaji ya maombi. Israël Mutajiri. Israël Mutajiri. J'ai besoin de la prière pour que le Seigneur Jésus-Christ. Nahitaji maombi. Notre Dieu de Bethel, Tabernacle, me donne un travail, des bons salaires, afin que j'arrive à m'organiser. Le frère Daniel Kojo, demande la prière pour l'enfant qui a connu un accident avec sa moto et dont la santé présente des complications. Frère Inosa Simbilio, demande la prière pour son enfant qui a l'abcès à la joue. Machafu. Le frère Espoir Ukoko. Ndugu Espoir Ukoko. Je demande la prière pour mon ami. Naomba maombi ya rafiki yangu. Il a des mauvais songes. Anakuwa na ndoto mbaya mbaya. Dieu le délivre. Mungu amkomboe. Le frère Frank Boaner. Ndugu Frank Boaner. Demande l'intervention divine. Anaomba msaada wa Mungu. Car il manque le sommeil. Dieu anakosa usingizi. David Baraka. Daudi Baraka. Demande la prière. Anaomba maombi. Pour sa grande sœur. Dieu mkubwa yake. Qui a des problèmes gynécologiques. Ana mambo ya uzazi. Que Dieu puisse intervenir. Mungu aingie katika kazi. Le frère Divin Osenge. Ndugu Divin Osenge. Voyage Kisangani. Que le bon Dieu d'Abraham nous protège contre tous les obstacles routiers. Et on annonce que celui qui a fait tomber sa clé de contact des motos, qu'il puisse voir le diacre à la fin du service. Amen. Amen. Il y a une maladie qui arrive. Una magonjwa moja kuna kuja. Ça y est déjà là. Ishakuwa pale tayari. Une pneumonie. Inakuwa magonjwa mafua. Sentez des douleurs dans les poumons. Unasikia maumivu ndani ya mafua. Ici. Mafafa. Ou bien ici. Au ngambo ya huko, ngambo ya huko. Et Dieu a dit. Na Mungu amesema. Que je le dise. Ni aseme. Et que Bethel soit épargné. Na Bethel ikingwe. Amen. Il y en a déjà qui sent cela. Kuna wenye kuna walishaja kuisikia. Lève le main. Wainua mikono yao. Vous voyez? Munaona? Mimi bado nasikia ile mambo. Hein? Vous voyez ça? C'est munaona. Et maintenant? Ça, ça y est. C'est fini. Naisha yake. Que le Seigneur vous protège. Bwana Mungu awalinde. Amina. Que le Seigneur nous protège contre cela. Bwana atulinde na hayo magonjwa. Amina. Pour qui c'est fini, lève leurs mains. Benye yabu naisha, benye mikono yao, benye banapona. Le Seigneur nous aime. Bwana natupenda. Ne vous demandez pas où allons-nous. Musi jiulize tunaenda wapi. Nous sommes au retour aux actes des apôtres. Tuko tunarudi kwenye matendo ya mitume. Cette pneumonie, vous allez tousser la nuit. Vous allez mal à dormir dans les côtes. Pour vous, c'est fini. Mon épouse est témoin. Je ne suis pas dormi aujourd'hui. J'ai passé toute la nuit à genoux. Jusqu'au matin. Est-ce vrai? Je ne suis pas dormi. Je ne suis pas fermé l'œil. De minuit jusqu'à 8h du matin. J'étais à genoux.
Je voulais sortir, je savais, mais qu'est-ce qui arrive, Seigneur, qu'est-ce je suis dans mon bureau, même chose. Et mes frères m'ont venu toquer à la porte. Plusieurs fois. Mara. Quelque chose. Que je sentais que ça, quelque chose de mal. Kitu kibaya na iko nasikia. Et là, il m'a dit, na pana niambia, il y a une pneumonie qui arrive. Kuna magonjwa mapona. Ce n'est pas corona. Haiko corona. Les gens auront des problèmes dans les poumons. Batu batakuwa na magumu kwa mafua yao. C'est déjà en marche. Ichi anja tendeka. C'est déjà, d'autres sont déjà atteints de cela. Tengere maisha kuwa naye. Mais dites-le. Ubambie njo. Ils seront guéris. Maisha bataponyeshwa. Et je vais les protéger. Na mena balinda. Amina. Je fais ma part. Ne me fanya ya kwangu. Et à Dieu de faire sa part. Na Mungu afanye ya kwake pia. Amina. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alors, levons-nous debout, nous prenons pour partir. Satan, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Et j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus, qui soit loué. Jésus, qui soit loué. Et qui soit loué. Et qui soit loué. Et qui soit loué. Jésus, qui soit loué. Et qui soit loué. Et qui soit loué. Et qui soit loué. Hey, aku mama, hey, aku mama, hey, aku mama, ah. Seigneur bien-aimé, je te remercie. En mettant mes lunettes sur ce requête de prière, tous les requêtes sont exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour les guérisons des problèmes pulmonaires et merci pour la protection de ton église, de ton peuple qui est ici. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Ceux qui étaient malades sont guéris à la maison. Sans guérir dans les hôpitaux, sans guérir, et la protection est assurée dès ce soir. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois les ovations. Alors que nous partons, va avec nous jusqu'à nos maisons en sécurité au nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. À nous Amen. Revoir le dimanche. Oh, qui soit loué, alléluia, qui soit loué. Amen, qui soit loué, alléluia, qui soit loué. Oh, qui soit béni. Et je vous l'ai dit. Je vais recevoir demain 40 personnes comme d'habitude. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Asifiwe. Amen.